coche le Live at Online sous la catégorie Games plus de MOS, Up Team commence. Le paddock is now live. Streaming Games plus de MOS, les joyaux de la couronne Jacques Biesp-Dusk. Allez, re-hop les pilotes et re-bienvenue dans le paddock. Nouveau live Twitch sur TDU Solar Crown avec Jade, le joyau de la couronne vert, donc qui est juste au nord du Solar Hotel au programme. Si on y arrive, hein, parce que on a testé déjà tout à l'heure, c'était hardcore. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. On va faire un petit un crane chez Défi. Ah, qui fait Brody que donc? Ouais, je suis en plus leak. C'était pas une bonne idée d'aller par là. Je pensais prendre un raccourci, mais on était pas, hein, clairement. Sous la drache avec les plus slick. Compliqué. En plus, il avait une caisse bien préparée, quatre roues motrices, sans doute en pneus semi-slick ou routier. En tout cas, il y a des rainures sur ses pneus. Bon, j'avais aucune chance. Hein. Partant sec, ça aurait pu être serré, mais là, j'avais aucune chance. Hey, c'est pas grave, hostie! Tout est bien qui finit propre. Hostie! On va juste prendre une caisse un peu plus sérieuse pour reprendre l'exploration. Hostie! Est-ce que je vous ai déjà dit que tabarnak? Est-ce qu'éventuellement il a ripop avec nous, le camarade? Non. Je peux pas demander ma revanche sur le même, même pilote. Ok. Alors, on va peut-être quand même tenter un truc. Qui peut être intéressant pour refaire un peu d'argent. Pour pouvoir un peu plus préparer notre Porsche, c'est de faire quelques autres courses. Fou Hannibal, sorry. Hein?
Pourquoi 57 chevaux? Ça va pas, non? Et plus j'avance, c'est moins j'ai de chevaux. Après, j'ai 200 IP, donc on va y aller comme ça, mais. Ça paraît bizarre. Bref. Nous serons face à la gargouille 591. Tant que c'est pas le ventre qui gargouille, moi je dis ça va. Ah, je me fais pousser dans tous les sens, c'est rien qui va là. Ah, ce mur à chaque fois. Allez, rien dans le sac là de chevaux. En vrai, je sais vraiment pas pourquoi sur cette course-là, on nous limite à 200 IP, quoi. Et franchement, il pourrait ne pas mettre du tout de limite. Hein. La 2 chevaux, foulez-vous, elle avance déjà pas. Mais ça se fait que je plafonne. Elle montait à 160 quand j'ai fait la course avant-hier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je plafonne à 110 alors que j'ai rien fait sur la voiture? Qu'est-ce qu'ils ont modifié dans le réglage automatique encore? J'aurais dû toucher à rien à lancer la course telle quelle. Juste choisir la 2 chevaux, faire triangle, configuration automatique et lancer. J'arrive même pas à rattraper les IA quoi, c'est triste. Je suis à fond à 115. Et on dirait que c'est la boîte d'origine de la voiture qui est dessus là. On parvient à aller un peu plus vite que la vitesse officielle d'une 2 chevaux parce qu'il y a quand même quelques chevaux de plus. Les IA là ils optimisent hein, niveau trajectoire de course. Une pépite hors délai. Bon, ça fait quand même un point, hein. Et écoutez. En termes de budget, c'est quand même intéressant de faire la course, même si je finis dernier. J'ai besoin de sous pour préparer la Porsche. Bah là, on se fait des sous. Hein. Allez hop.
Ormat qui nous rejoint au dernier moment. C'est le seul élément, les seules courses où je parviens quasiment jamais à n'être que contre des IA. Quoi. Quasi à chaque fois, et au dernier moment, il y a un gars qui me rejoint. Ouais, je me fais encore pousser. Ou alors la caisse a aucun grip, je sais pas ce qui se passe, mais... encore stoppé net par un échafaudage et à travers lequel je passe une fraction de seconde après. Là je vais pouvoir remonter parce que là j'ai les watts dans la dodge cette fois-ci, donc on va pouvoir remonter de P2. Après la P1, bah, ça va dépendre du niveau de performance de Bormad. Je le vois même pas sur la minimap, je sais pas où il est. Ah oui, bah. On fera pas mieux que P2. Secondes. Ah, par contre, il y a vraiment des optimisations à faire sur la voiture. J'ai acheté absolument toutes les pièces, le réglage automatique ne me permet absolument pas de suivre le niveau des autres. Hein. Je pense en fait qu'ils gardent des voitures complètement d'origine, ils mettent uniquement les pièces moteurs dessus, je pense. Je ne sais absolument pas où je vais, mais j'y vais. Hein. C'est vraiment bizarre sur la musique, le jeu. C'est une troisième fois. Rien. Charlie Afton.
est bien, c'est qu'il m'a poussé à la première équerre droite. Il se sort tout seul. Par contre, il a gagné P2. Je pensais que c'était faire dépasser par tout le monde. Alors, regardez-moi cette Formule 1 là. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont comme réglage les autres là pour aller aussi vite avec la 2 chevaux, mais je crois qu'ils font sûrement un réglage custom. Ah et putain, il m'a poussé dehors, hein, salopard. On va quand même essayer d'aller voir la fiche de réglage de la 2 chevaux pour faire un réglage fin derrière. Je crois qu'il y a beaucoup à gagner en faisant ça. Dans quel jeu est-ce qu'on peut mettre du carrossage positif? Ça n'a aucun sens.
Est-ce que c'est le gars avec lequel on a fait la course? Non, même pas. Hop, on sait jamais, hein. S'il répond. Deux chevaux face à une Jaguar F-Type, ça devrait aller. Il est occupé. Mais j'ai même pas le temps, il fait chier le jeu. Ah, ils m'ont encore remis la boîte de merde, hein.
Elle sent un chevaux. Avec les pneus terre. Je suis pas sûr que ça va être très efficace, mais bon. Évidemment, je suis tout seul cette fois-ci. Hein. Ça, j'ai que 182 pp. On va voir déjà si la vitesse de pointe est meilleure ou pas. Hein. Je plafonne encore à 120. Pourquoi j'ai des IA confirmés en face de moi là maintenant? J'ai fait deuxième aux courses précédentes. Vraiment deuxième face à un autre joueur humain. En plus, j'étais dans toutes les IA. T'es pas censé perdre. T'es pas censé perdre au niveau de difficulté sur les courses d'après? Si? Merde, j'ai pas passé la ligne. Oh, c'est pas vrai. J'ai envie de dire décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est une blague, putain, le respawn automatique il sert vraiment à rien sur ce jeu.
Comment c'est possible qu'il burn autant avec les deux chevaux? Allez! Ah bah, je pensais retrouver le gars qui était garé devant en deux. Je suis tout seul, c'est bizarre. Bref. Enfin, c'est bien d'avoir la veste façon marinière. Ça aurait été bien d'avoir le béret aussi. Quand même. Pour être raccord avec la voiture, le béret ça aurait été la base. Hein.
Bon, je suis, mais j'y suis, hein. J'ai raté un point? Non! C'est pas vrai, putain! Y'a moyen de passer à côté? Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un qui s'était fait piéger avant-hier. Bon, le 7ème est pas très loin devant, mais. Les autres, ça va quand même être tendu de la rattraper, hein. On serait sur de l'autoroute, ce serait easy. On n'ira pas rechercher même pas la P6. Hein. On est si proche, mais. Tout ça à cause de deux respawns. Hein. Il manquait un point. Non! Oula, il y a du monde. On va vraiment être 6. On va vraiment être 8. La première course à 8, attention. Oula, il y en a un, il a sa caisse défoncée là des scores. On est 7. Ah, il va y avoir potentiellement du coup un bot. Après, je m'en fous, moi il me suffit d'un point donc je finis là. L'autre a quitté la partie. Oh putain, mais. C'est une blague. Surtout quoi, l'autre a quitté la partie. C'est qui l'autre? C'est KT Racing? Allez, me dis pas que le jeu est complètement torché, hein. Tentative de connexion, ça va. Ah bah ça commence bien, dis donc. Le gros avantage des jeux en ligne permanent, quoi, hein, c'est. On ne le dira jamais assez, les développeurs, arrêtez avec ce genre de conneries, putain. Faites-nous des jeux avec des modes solo, c'est plus facile pour tout le monde, putain. Si on veut jouer en multi, bah on joue en multi, si on veut pas jouer en multi, on joue chacun de notre côté. Mais forcez pas le multijoueur pour les gens qui ne jouent quand même jamais à plusieurs. Les mêmes pilotes.
Est-ce que ça va lancer? Rien n'est moins sûr. Rappelle qu'on a essayé de faire quelques courses avec Cassie, avec l'aventurier. On n'a jamais réussi à lancer une seule course. Hein. À chaque fois, quand on est en groupe, ça se fait éjecter. Hein. Alors combien on parie qu'on ne finit pas la course parce qu'un joueur quitte? Et que ça fait planter tout le monde. Et là, on n'est plus que 5. Et dans les 5, il y a un bot, hein. J'avais même pensé à couper là, et en vrai, je viens de voir le mec. Je l'avais dit qu'on finirait pas la course. Ça fait chier, putain! S'il y a un gars qui quitte, arrangez-vous pour pas que tout le monde se fasse ken, et tant pis, il a quitté, on continue avec les autres, merde! T'as encore se retrouver avec les mêmes payes, y en a encore un couillon qui va quitter, on va encore se faire éjecter, quoi. Le mec il est tourné dans l'autre sens. Oula, il y a des méchants bugs, hein.
Putain, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à pousser, sérieusement? Ils veulent gagner du temps, je leur en fais perdre. Hein. Moi, à un moment donné, il me faut un point, j'en prends deux, donc moi j'ai assez. Bon. Allez. J'ai toujours pas compris dans quel ordre est-ce qu'ils rangent les bagnoles, mais de mon point de vue, ça n'a absolument aucun fucking sens la façon dont ils les rangent. Mais si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On n'a plus qu'à booster la partie électrique de la voiture. Du 1801 chevaux. Je crois qu'elle est full, on va quand même revérifier, mais... Ouais. Et il nous reste même un peu de sous. Pas belle la vie. D'accord, tout le monde a dit spawn, on a encore été déconnecté. Votre jeu n'est pas au point, Kiloton. Bien, quand je dis pas au point, c'est genre mais vraiment pas au point quoi. On se fait déconnecter du serveur là, toutes les 30 secondes. On va voyage rapide jusqu'au Solar Hotel, on va voir si on peut sauvegarder. Déjà, il y a des joueurs qui sont là, donc a priori la sauvegarde va fonctionner, mais... Ouais, je sais qu'il est supposé y avoir des sauvegardes automatiques, hein, mais il y a un moment donné, je fais plus confiance. Sur des jeux autant plantés que ça, je fais plus confiance. Pas joli mon anorak. Alors ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Terminer 3 Essence Challenge. Bah, j'aimerais bien, mais il faudrait que les gens ils disent oui. Terminer 4 épreuves de type circuit. Non, ça m'en a même pas compté une, c'est-à-dire les jouets de la couronne, ça compte pas comme un circuit? Là, c'est un sprint peut-être. Ouais, ça compte sûrement comme un sprint. C'est pas grave.
Et toi, le pélican? Où est la petite course? Ah, le challenge va commencer, c'est cool. Ah, il est en Mini Cooper, il a accepté un challenge. Bon, bah celui-là, je pense qu'on va le gagner, hein. J'aurais quand même très surpris que la Cooper arrive à suivre la Jaguar. Hein. À moins que j'ai changé de voiture sans m'en rendre compte, c'est possible, hein, mais. Ah non, je suis avec la Porsche Spider, oui, mais bon, enfin, c'est. Bah, a priori, ça va être 15 000 balles facile, hein. Ok, peut-être pas si facile que ça, il fait gras. Elle ne tourne pas la Porsche. Ouais. Ben en vrai, c'est parce que j'arrive à peu près à bien doser l'accélérateur et voilà. Dit ça sert à rien d'aller à fond. J'ai de la puissance dans la ligne droite, ça va aller. Heureusement qu'il y a une partie où on est en dessous de l'autoroute et où du coup la route est sèche à cet endroit-là parce que sinon en vrai, il aurait pu la gagner. Hein. Bottines militaires blanc et noir. Ouais. Caméléon chrome or et rose, palier 10 satin pour le Solar Pass. Elle est 4x4, mais je suis moyennement confiant, donc hein. C'est
613 km/h en vitesse de pointe annoncée. Ils sont un peu frappadingues là, non? Ouais, ils sont frappadingues, il est d'accord. Ça va avoir peur des caisses comme ça, sérieusement. Plus de 600 km/h en pointe. J'aurais peut-être quand même apprécié qu'ils soient un peu réalistes et qu'ils se disent non, mais 450 maximum, quel que soit l'auto, quoi. Merde. Il a raté le point. Bon, ceci dit, je pense qu'il y a moyen de remonter. Hein. En 3 secteurs, on l'avait mis 4-5 secondes. Donc, je pense qu'avec la Porsche, il va pas y avoir besoin de trop forcer. Ah, l'avantage d'avoir terminé dernier avec la Dush, c'est que du coup on est revenu sur une IA confirmée. Alors avantage ou pas, hein, parce que du coup bah je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais été avec des experts, mais et par contre le freinage régénératif légendaire, il régénère. Hein. Le moindre coup de frein. Tu recharges tes batteries à bloc sur l'hybridation là. J'ai déjà dit tout à l'heure, hein, je suis pas fan des voitures extrêmement puissantes, rapides. Je trouve que c'est beaucoup plus marrant d'essayer d'être rapide avec des voitures qui ne sont pas rapides. La raison pour laquelle, depuis quelques temps, vous l'avez remarqué sur Gran Turismo, les voitures qu'on utilise le plus dans l'Open Paddock le dimanche soir, c'est la Rugordini, c'est la 4L. Elles n'ont rien dans le sac, mais c'est marrant d'essayer de rouler vite avec des voitures qui plafonnent à 120, quoi. Bon, en l'occurrence, nos 4L sont préparées, donc elles ne plafonnent pas à 120, elles montent un peu plus quand même. Et les Gordini ont une vitesse de pointe supérieure à 120 d'origine. Mais par contre les Gordini on les laisse d'origine, on met juste des pneus sport tendres dessus. Aïe. Comment ça, retourner sur la piste?
Va te faire enculer, putain de jeu, là! C'est bon, je crois qu'il aime faire respawn à chaque fois, je me dis, mais merde! J'ai demandé un respawn, pas 4. Bon. Avec toutes ces conneries, on est dernier alors qu'on était premier avec 2-3 secondes d'avance. Une avance qui était pas terrible, hein, mais suffisante. Hein. Il suffit d'une fraction de seconde, hein, finalement. Tu gagnes une course avec une grosse avance ou avec un écart minime. Ce qu'on retient à la fin, c'est que tu as gagné. Aïe, ouais, vas-y. Bon, est-ce que je peux récupérer des places? Il n'y a confirmé en face. Il y a sûrement quelques-uns qui doivent être en supercar quand même. J'ai une hypercar qui est full. Donc normalement quand on va arriver sur la portion d'autoroute à la fin, il faudrait quand même être plus rapide qu'eux. Je sais pas si je vais pouvoir gagner la course, mais j'espère quand même que récupérer une place ou deux, c'est faisable. On est sur la rive est. Alors, je sais pas si je vais plus facile à la manette ou au volant, mais. En tout cas, au volant, ça record, hein. T'as pas envie de tourner la bagnole à un moment donné, non? Oh oui, ça va. Et putain, s'il commence à me respawn alors que je viens de revenir sur la route, c'est quand j'étais sorti sur l'autre portion qu'il fallait me respawn, hein, à un moment donné.
En fait, il faut connaître par cœur le truc, t'as pas le choix en fait. À rattraper. Du coup, j'allais encore prendre un frontal dans le terre-plein, de la chance. On a glissé juste sur le bord, mais. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me fait traverser là. J'aurais pu rester à gauche en vrai. GPS de merde là. Moi je pensais qu'il fallait absolument sortir à droite et on sort même pas. Ça tourne pas. Elle a pas envie de rouler droit la Porsche un peu. C'est censé être un quadromotrice ce véhicule. On est sûr que c'est un 4x4 là? Parce que pour moi ça se conduit vraiment comme une propulsion là. Hein. Ah, heureusement que j'ai le cuir grillisé en métal sur mon volant maintenant, hein, parce que ça serait encore sur en plastique. Mais le volant il serait en train de se déchirer en deux. Avec le force feedback qu'on se ramasse par moment là. L'Audi qui fait troisième.
Et merde. Et juste parce qu'il y a un checkpoint ici en plus que ça m'emmerde. Hein. Parce qu'en vrai les deux routes elles reviennent au même endroit quand même à la fin. Ah non peut-être pas. Yeah.
te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas. Ah! Ah, mais il me met pas un coup de portière, connard. Putain, les IA qui n'ont aucune notion de la présence du joueur, c'est chiant. Putain, on dirait que les IA le font exprès de te foutre dehors, quoi. Et il paraît qu'après le niveau expert de l'IA, t'as le niveau légendaire encore. Et j'ose pas imaginer l'enfer que ça doit être pour les joueurs qui arrivent face à cette IA à un moment donné. Hein. C'est déjà un enfer en confirmé ou en expert. Ah, il a tellement freiné que j'ai cru que c'était un virage plus serré que ça, moi. Ah ! Pousse pas, connard ! Putain d'IA ! Putain, en ligne droite, ils sont à l'arrêt et en virage, ils te poussent, quoi. C'est calibré n'importe comment. Non, mais bon, il y a le rail, sauvé par le rail. Mais pousse pas, culé. Putain, les IA sont casse-couilles à te pousser. En plus, c'est pour se foutre dans le décor de virage après. En plus, avoir l'écart avec la voiture qui est juste devant soi... Je préfère avoir l'écart avec le leader, moi, pour les checkpoints. Et on peut pas choisir, malheureusement. La voiture qui est juste devant moi, ben, je la vois, elle est là. C'est le leader que j'aimerais bien savoir où il est, quoi.
Arthur quand même, hein. Seconde à rattraper sur Ning. Je crois que c'est l'autre Porsche. La rattrape, mais ce ne sera pas suffisant. On est encore reparti pour la recommencer. On a 8 secondes. Eh merde, on vient de terminer deuxième. On risque de retomber sur des IA experts. Ça va être compliqué encore ça. Faudrait tomber sur des joueurs et que tout le monde quitte, sauf nous. Dans Bugatti Veyron 16.4 2015. Elle est sortie bien avant ça, la Veyron. Elle est sortie en 2009, non? Oula, pas qui avec la GTR. Bon chance, hein. Surtout quand je vois les PP. Comment il a réussi à rentrer? C'est pas minimum 850? Il a 848? 849? J'ai mal vu le... Bon, enfin, bah, peu importe, on s'en fout. De toute façon, c'est pas la GTR qui va nous poser problème, a priori, sur cette course. Il est déjà parti le paquet. Alors on est effectivement contre des IA experts, donc il va falloir suivre. Plutôt, il va falloir imposer notre rythme à l'IA. Tu touches un mur, la vitesse c'est instantanément t'as arrêté. Hein.
Mais ta mère, la bagnole qui tourne pas. Comment perdre 10 secondes en deux virages, hein, mais... Aïe 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 aïe. Vas-y, reste pas Ah non, j'ai encore raté le point, fais chier. Je comprends même pas comment est-ce que je me suis fait pas rattraper depuis tout à l'heure. Hein. Oh mais fuck la bosse là, allez va te faire foutre. Je comprends pas comment ils arrivent seulement à mon cul, ils me dépassent seulement maintenant. Avec le nombre de boulettes que j'ai fait, c'est... 3-4 derniers kilomètres là, je sais pas. Aïe 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 aïe. Ah non mais alors quand tu perds le train avant c'est mort, y a plus rien qui va. La difficulté quoi, la saison 7 un jeu arcade on le rappelle hein. Terminer une preuve avec un véhicule technologie hypercar, un indice de performance supérieur à 900, d'accord. Il y a encore les IA à la con qui montent dans le derche là. C'est bien mis minimum 850, hein. Je comprends pas comment est-ce qu'il est parvenu l'autre à... à rentrer que sa GTR qui était à un point en dessous de la limite. Surtout que ça avait validé, il y avait le petit V à côté de son nom là. Il n'aurait pas levé, tu te dis ouais, il est dans le paramètre, il est en train de régler sa caisse, mais non, là il y avait levé alors qu'il était avec une caisse qui était selon moi pas éligible. Bref.
Nique ta mère, putain de checkpoint de merde. Allez, fais demi-tour là, oh, je suis plein gaz, roubraqué à fond, à un moment donné, faut y aller, hein. Ah, mais ce virage-là, je comprends pas pourquoi la caisse, à chaque fois, elle part de l'avant complètement. Ça, c'est... Oh non, on peut encore le putain de bug du respawn, va te faire... Ça va. J'ai appuyé sur le bouton de respawn et ça m'a désactivé le respawn, mais je sais pas pourquoi par contre. Hein. Ouais, c'est pas la peine. Hein. On perd un temps fou à récupérer tous les spots. On va la refaire, mais c'est pas possible. Le niveau de difficulté, c'est... Des voitures limite inconduisibles. Qu'on te demande de piloter à 600 km/h sur des routes rapides mais sinueuses, parce que c'est pas une autoroute genre parfaitement en ligne droite, c'est pas les autoroutes américaines. Non, on est plus sur ce qu'on pourrait trouver en Europe comme autoroute, quoi. C'est rapide mais ça tourne un peu tout le temps en permanence. Heureusement qu'il n'y a pas de circulation. Imaginez la même course s'il y avait des PNJ qui se promenaient sur la map. Ce serait interminable pour aller chercher l'or, quoi. C'est même pas la course la plus longue en plus, hein. Il me semble que j'en ai vu une qui faisait plus de 100 km. À vérifier, mais il me semble que j'en avais vu une, hein, vers le milieu de la map. Méga combo gagnant là. Imaginez cette course avec la circulation en conditions humides.
Oh, c'est pas vrai que je suis bloqué sur le trottoir là, vas-y, nique ta mère, allez. Putain, mais je les aurais toutes faites quoi, les boulettes possibles là. On a des IA confirmés de nouveau face à nous, hein, à force de recommencer. Mais tourne, saloperie! Putain, et qu'est-ce qu'ils appellent la Deutsche Qualität là, des voitures qui tournent pas? Waouh, incroyable, ils font des voitures qui tournent pas les Allemands, c'est génial! L'Audi Quattro, la 918. Passion sous virage. Eh mais putain, mais elle a aucun train avant la bagnole, c'est quoi ça, oh? Pas la peine d'essayer, on est déjà redescendu 6ème, qu'est-ce que vous voulez que je remonte P1? Putain, les jeux avec des niveaux de difficulté, de pendu comme ça, c'est faut arrêter. Hein. C'est tellement difficile de mettre un curseur avec le choix de difficulté, comme dans tous les jeux, même Gran Turismo le propose. Même Assetto, qui est supposé être la simulation grand public un peu que tout le monde connaît, il y a moyen de régler la difficulté, quoi. Si tu fais le mode carrière, elle est progressive, et si tu fais le mode normal, je veux dire, bah t'as du curseur, tu peux choisir la rapidité des IA et leur agressivité. Là, ici, la rapidité, ils sont à fond dans les virages et arrêtés dans les lignes droites. Tout à fait logique, évidemment. Et leur agressivité, bah c'est pas qu'ils sont agressifs, c'est qu'ils ont juste absolument aucune notion que t'es là. Et si t'es sur leur trajectoire à une vitesse qui correspond pas à la leur, bah ils te rentrent dans le cul, t'en as rien à foutre. S'ils sont devant et qu'ils ont décidé de freiner dans la ligne droite, parce que pourquoi pas, ils freinent devant toi, ils te break check. Alors que toi t'essaies de gratter leur aspi parce que tu sais que t'as un peu de mal en vitesse de pointe par rapport à leur véhicule à eux, en fonction de tes réglages et des leurs, quoi. Alors, je sais pas si vous entendez les bruits du quick release de mon volant. Il est en métal, hein. Mon quick release fait du bruit. Il craque. Alors, je suis déjà passé sur le quick release en métal parce que celui en plastique faisait du bruit. Celui en métal commence à faire du bruit aussi. Il n'y a que sur les jeux Kiloton Game que j'ai ça. Hein. Ça peut arriver sur des jeux Codemasters quand tu mets le retour de force trop fort. Mais là, ici, il n'est pas réglé trop fort, hein. Il a 65% du pic maximum. Et il n'est pas à 100% dans le jeu non plus. Hein. Il a 65% sur la base et j'ai réduit un peu dans le jeu. T'as encore des moments où tu te prends des taquets dans le volant. Au point de faire grincer le système. Oh mais ta mère putain, je sais même pas c'est quoi le machin bleu là que je tape deux fois de suite là mais... J'ai confondu le virage.
pied. Évidemment, je suis pendu sur le talus, hein. Saloperie. Ah, mais saloperie de trottoir, fais chier, putain, la guesse elle tourne pas une fois que t'arrives sur le trottoir, elle se met à l'équerre instantanément. Et encore, avec la Porsche 918, ça peut encore se comprendre, avec la 2 chevaux, comment tu l'expliques ça? C'est quoi pour une physique? Ah, j'en peux plus les gens, j'en peux plus. Envoyez-moi votre force. Envoyez-moi vos réglages aussi, potentiellement, ça peut peut-être aider. Pour moi, le réglage de la Porsche, il est... Enfin, il est bon. Il me convient pas, mais je vois pas comment je pourrais faire un réglage mieux. De toute façon, c'est juste les voitures extrêmement puissantes ne me conviennent pas. Point. D'ailleurs, c'est bon, j'ai pas pris le mur. J'ai seulement 7 secondes d'avance, c'est pas possible. Dans ma tête, c'était mon run le plus rapide jusqu'à présent, jusqu'à ce virage, et j'ai seulement 8 secondes d'avance. Et c'est des IA confirmés, hein. J'ai eu plus d'avance avec des experts. Je comprends pas le niveau de difficulté de ce jeu. T'as des IA confirmés qui vont plus vite que toi et des IA expertes qui sont complètement larguées. Je ne comprends pas. Et sur la même course, hein, c'est pas que il y a des combos plus faciles pour l'IA ou quoi. Genre ils sont largués en expert parce qu'il pleut, ils ont mis les pneus slick ou quoi. Non, c'est la même course. Et j'ai eu des runs où j'avais plus d'avance ici en ayant eu des respawns. Là j'ai pas respawn sur cette tentative. Ils sont à la même distance de moi alors que c'est des confirmés, je répète encore une fois. Mais les IA en face, c'est pas des experts. Je ne... Il y a un problème de calibration sur le niveau de l'IA, c'est pas possible autrement à un moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La tête de bagnole, là. D'habitude elle tourne pas et là elle se met à l'équerre sans que je lui demande.
comme ce virage, je comprends pourquoi à chaque fois je perds l'avant. Alors qu'on est sur un virage en compression, vraiment l'avant il doit avoir un grip de fou. Un peu dirty, hein, mais c'est pour toutes les fois où ils ont été dirty avec moi. Et je me donne un peu d'air. Allez, on a à peu près fait la moitié du tour. Ah, mais non. Elle est déjà revenue Putain, c'est pas possible. Donc, le vol plané que je lui ai fait faire est là où elle était... Enfin, j'avais vu sur la minimap où elle était partie, là, elle était sur l'autre route carrément. Mais non ! Putain de checkpoint de mes couilles ! Putain, c'est... mais cette difficulté, c'est pas possible de faire des courses aussi hard. Ça, au niveau expert, il y aurait cette difficulté-là, je comprendrais encore. Au niveau légendaire, là, ça serait logique, mais... Putain, c'est le troisième niveau de difficulté qu'il y a. On marquerait ce joli petit tonneau aérien, extrêmement propre. Pas calculé pour le coup, mais... Fier de ma cascade. Mais là, au troisième niveau de difficulté sur 5, ça doit pas être aussi hardcore le jeu, sérieux. Avec le nombre d'heures que j'ai sur différents titres de simu, que ce soit Gran Turismo, que ce soit eSports WRC, WRC 8, WRC Generations, Tord Rally 2.0, BeamNG, même si j'ai pas tant d'heures que ça sur BeamNG par rapport aux autres. Ou encore Assetto et Assetto Competition. Normalement, je devrais pas avoir autant de difficultés que ça à conduire des voitures, quoi. C'est... Et je suis à 7 secondes de la P4 quoi. C'est... Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer tranquille, dernier volontairement. Si je suis pas dernier à la fin de la course,
On laissera repasser les 3-4 pays qu'il y a derrière là. Exprès pour me retrouver avec des IA encore moins bonnes. Peut-être qu'à niveau amateur ou débutant, j'arriverai peut-être à faire quelque chose. Inch'Allah, ça passera. Mais c'est vraiment chiant de devoir utiliser cette technique-là juste pour finir des courses, pour pouvoir avancer dans le reste du jeu, parce que le niveau de difficulté est extrêmement haut. Mais j'ose pas imaginer des casual gamers qui jouent une fois de temps en temps des jeux de bagnole et qui passent le plus clair de leur temps sur Fortnite ou Call of. Bah vas-y, rentre-moi dans le cul, putain, il y a la place à gauche et à droite, tu es obligé de me rentrer dedans, sérieusement. Dallas, ton univers est pitoyable. Voilà, on est dernier, ça c'est fait. Et, putain, même avec la voiture qui est supposée être nerf, j'y arrive pas, quoi. C'est trop rapide pour moi. À essayer peut-être à la manette, mais... Pour moi, ça se fait... Putain, par contre, le mur, là, t'es... Tu effleures le mur, t'es freiné direct, hein, c'est fou, hein. On rattrape Kevin. En espérant qu'il va mettre des paillettes dans notre vie, Kevin. On veut aller à Ibiza. Vivement la saison 2. Oh, elle a quoi la bagnole là? Elle veut plus tenir la route. Ça va aller ou... Je t'emmerde, tu me le dis, hein. Est-ce qu'on va réussir à aller rechercher Kevin sur la dernière longue ligne droite? Ce qui est bien, c'est qu'avec le... Je suis en mode streamer, hein, mais il m'affiche quand même les numéros, des, enfin les noms des chansons qui passent à l'autoradio, alors que le son est coupé. Pas le concours, on peut pas. Enfin, on peut couper la musique avec le mode streamer, mais on peut pas couper totalement l'audio. Couper la radio, quoi. Et du coup, ça me couvre le. Ça me couvre la navigation, quoi. Je trouverais plus intéressant que ça s'affiche sur le bas de la carte. La source musicale. Bon, on ira pas rechercher Kevin, hein. On reprend 2 secondes par 2 secondes, mais là il nous reste... Allez, on va finir à 2 secondes, a priori, 2-3 secondes derrière lui. Peut-être 4. Pfff. 3 secondes 2. Il y a encore une... Alors, une quatrième, je pense, il y a encore une supercar qui est bien placée, quoi. Pour ceux qui ont tenté ces courses, ou même n'importe quel autre tour du jeu, dites-moi ce que vous pensez du niveau de difficulté. Est-ce qu'il n'y a que moi qui le trouvais abusément, abject, beaucoup trop haut? Ou est-ce que vraiment il est beaucoup trop haut et que c'est un fait? Mais normalement, les IA confirmés, je suis censé les dégommer, quoi.
Alors on va probablement encore se faire rentrer dans le derche par un taxi. Attention, voici Samina Seri au volant. Incroyable, ils se sont arrêtés. Bon, l'alpha est rentré dans le cul du taxi, mais le taxi s'est arrêté avant mon cul, c'est bien. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. On a le symptôme Xbox. J'essaie de mettre des rupteurs, mais vu que je regarde derrière avec la manette, le jeu sait pas s'il doit suivre la manette ou le pédalier. Bref. Continuez tout droit. Ouais, t'as cru que j'allais faire tout le tour, hein. Rêve pas, hein. Il est con le GPS. Ah quand même, putain, il a pas eu le temps. Vous êtes arrivé. Bon, est-ce qu'il y a des gens pour un Essence Challenge ou pas? Il y a une verron là au-dessus, on va voir s'il est chaud ou pas. Il est chaud, tant mieux. On va se laisser là-dessus. On espère une petite victoire. Rendez-vous demain. Ça ira mieux demain, lol. On ira peut-être faire autre chose du coup que cette course-là, parce que je commence à en avoir un peu plein le cul. On reviendra peut-être dessus à un moment donné. Hein, mais bref, le live de demain sera prévu en après-midi. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais en après-midi. Et puis voilà, chargement en cours, c'est long. Hein, à mon avis, on a réussi à torcher sur un challenge instantané. Alors même des modes de jeu qui font partie de la base du jeu de course en monde libre et qui existent depuis des décennies maintenant, ils arrivent à mal le faire, quoi. C'est... Ah là là. Hop là, voilà. Effectivement, on s'est fait têche du serveur, ça s'est fait. Bon. On rappellera quand même qu'ils ont quand même fait un truc bien chez Kiloton, hein, faut quand même le souligner, c'était le mode copilote sur WRC Generations, déjà sur WRC10 d'ailleurs. Ils avaient au moins fait ça correctement. On va retenter avec un autre joueur, on va voir si c'est le serveur qui ne veut vraiment pas. Il a accepté. Voir si c'est le serveur qui veut pas ou bien si c'est le joueur qui a quitté. Après, en vrai, là, avec la Bugatti Veyron, il n'avait aucune raison de quitter avant même le départ. Hein. Il avait toutes ses chances de gagner. Hein. C'est bon, ça part. Porsche Cayenne versus Porsche 918 Speeder. Et merde.
Ah, il a fait la même que moi. C'est dommage pour lui parce que s'il s'était pas torché de la même façon que moi, il le gagnait. Il klaxonne en bas. Allez, au moins on termine sur une bonne note avec un Porsche Cayenne qui est emplâtré dans un mur en béton. Ils ont du mal de placer les voitures à certains endroits de la map à l'arrivée des courses, mais tout va bien. Un challenge à 1000 balles. Et ben voilà, on va se laisser là-dessus. Écoutez, rendez-vous demain après-midi pour la suite du Let's Play, si on peut dire, sur TD Solar Crown. Avec, je l'espère, moins les problèmes. Hein. Après, bon, est-ce qu'il faut vraiment espérer? Je ne suis pas sûr, mais bon, bref. Allez, ciao tout le monde, à demain.